Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous choisir. Voici le journal de ce jeudi 5 mai 2022, dont voici les principaux titres. Plus de 7000 passeports de voyage ont été confectionnés et sont disponibles. Selon le commissaire général des migrations, Maurice Mbonima, il indique que les demandeurs ayant déposé leur dossier jusqu'au 3 mai de cette année peuvent désormais aller récupérer leur passeport. Vous le suivrez dans ce journal. Les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité ont grimpé de prix en mairie de Bujumbura. Les commerçants rétorquent que cette montée est due aux problèmes de transport. Vous allez le suivre dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, tout de suite les développements de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité, dont le riz et le haricot, ont grimpé en mairie de Bujumbura. Les commerçants qui se sont entretenus avec nos reporters au marché de Jabé indiquent qu'ils ont augmenté entre 100 francs et 300 francs bout le kilo. Ils avancent que cela est dû, aux problèmes liés au transport. Vania Douchi. Mais un reportage. Au marché de Jabé, certains commerçants et acheteurs disent que les produits de première nécessité ont flambé. Entre autres, les haricots communément appelés kinoulé, qui étaient à 1900 francs bout par kilo, pour le moment coûtent 2200 francs bout par kilo. Un kilo de riz, qui coûtait 2500 francs bout, coûte maintenant 2700 francs bout par kilo. En rapport avec l'huile de palme et l'huile dite de coton, les prix ont monté jusqu'à un niveau élevé. L'huile dite de coton qui s'achetait 9000 francs bout par 1,5 litre, pour le moment coûte 11000 francs bout la même quantité. Et l'huile de palme qui était à 4500 francs bout 1,5 litre coûte 6000 francs bout. Ces commerçants disent qu'ils travaillent en perte parce que ces derniers temps les acheteurs viennent en compte-goutte. Ils demandent au gouvernement si c'est possible de trouver une solution au problème de transport qui persiste car Saint-Lô, eux, c'est le seul et unique réseau qui est à l'origine de cette montée des prix des denrées alimentaires. Ils sont contraints de rehausser les prix pour avoir un bénéfice. Merci Vania pour ce reportage. Et sur cette question de hausse de prix, la ministre en charge du commerce indique, elle parle plutôt de la loi de l'offre et de la demande. Et elle demande aux commerçants de ne pas spéculer sur les vivres dans cette période de crise mondiale. Elle leur demande de plutôt faire preuve de solidarité avec le pays. Suivez-la. Il s'observe la flambée des prix sur le marché, mais comme vous le savez, la régulation des prix, c'est question de l'offre et de la demande. Même si nous parvenons à fixer les prix de référence, quand le produit n'est pas disponible sur le marché et que la demande est forte, alors on se retrouve avec une flambée des prix. Et quand le produit est disponible sur le marché, il n'y a même pas de spéculation. On se retrouve avec une régulation des prix favorisant et le producteur et le consommateur. À ce propos, nous lançons un appel à tous les commerçants pour qu'ils ne spéculent pas surtout sur les prix. Mais toutefois, on interpellerait à tous les Burundais de comprendre la situation économique dans laquelle nous faisons face et aussi comprendre que c'est une situation passagère où on doit s'adapter et trouver des stratégies pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir survivre par rapport à cette conjoncture économique qui n'est pas une conjoncture du Burundi seulement, mais qui est une conjoncture économique mondiale. Je vous le disais dans les titres, les demandeurs des documents de voyage, à savoir le passeport, ayant déposé leur dossier au commissariat général des migrations jusqu'au 3 mai de cette année, sont appelés à aller récupérer leur passeport car ils sont disponibles, explique le commissaire général de police des migrations, Maurice Mbonima, lors d'un point de presse qu'il a animé ce jeudi.
dit. Il ajoute que désormais, les nouveaux demandeurs de documents de voyage devront se diriger au guichet unique les plus proches de leur province. Je vous invite à le suivre. Vous allez constater que ici, chaque jour, se présentent plus de 500 personnes. Ici, au commissariat général de migration, c'est pratiquement impossible de recevoir ce monde le même jour. C'est-à-dire que, à partir de demain, celui qui habite à Makamba doit aller déposer son dossier à Makamba. Celui qui habite à Muyinga doit déposer son dossier de demande de passeport, de laisser passer ou de CPG dans la province. Donc, c'est-à-dire que ceux qui se trouvent à Makamba et aux environs, ils vont déposer le dossier à Makamba. C'est pourquoi nous voudrions que vous communiquiez à la population, que chacun dépose son dossier de demande de documents de voyage dans le guichet unique le plus proche. Des dossiers, c'est 7h30 jusqu'à 17h30. Pour les retraits, et 7h30 jusqu'à 16h pour ceux qui déposent les dossiers de demande de documents de voyage. L'absence de statistiques actualisées sur le travail et l'emploi au ministère de la fonction publique est la raison de l'élaboration de la stratégie sectorielle de développement des statistiques au sein de ce ministère. Ce sont les propos du ministre de la fonction publique du travail et l'emploi ce jeudi lors d'un atelier de validation de cette stratégie. Tade Ndikumana indique que ce projet coûtera 3 milliards de francs bou sur les 4 ans. Suivez-le. Comme vous le savez, le gouvernement a recommandé à chaque ministère de pouvoir mettre en son sein des séries statistiques, mais aussi développer des planifications cohérentes. Et du moment qu'avec l'année fiscale à venir, on va entrer dans ce que nous appelons projet-programme. Alors, arrivé au niveau du ministère, nous avons vu qu'on a tellement besoin d'une direction générale de la planification qui, dans ce sens, on va intégrer la direction des statistiques, et la direction de la planification, suivi, évaluation et la direction des réformes administratives et des performances. Alors, la stratégie sectorielle vise à faire l'inventaire, disponibiliser les chiffres et à jour sur l'emploi, que ce soit sur les fonctionnaires de l'État, est-ce que combien sont-ils, ils sont affectés où, des chiffres par rapport aux entreprises qui sont créées et les employés de ces entreprises et voir si ces entreprises et cotise pour la protection sociale de ses employés, mais aussi paye les impôts, l'IPR, et aussi comme nous avons l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale, nous devons avoir la cartographie des entreprises, planifier comment les inspections vont se faire dans chaque entreprise pour pouvoir les appuyer. Et comme le stipule le code du travail qui est en vigueur, c'est une stratégie qui a un coût qui avoisine 3 milliards de francs sur 4 ans, 2022-2026. Mais d'ores et déjà, nous l'avons élaboré sans financement additionnel parce que nous sommes là pour travailler. Donc la mise en œuvre pourra se faire progressivement, mais nous avons jugé bon d'élaborer cette stratégie. Avec un costing, c'est une très bonne stratégie qui est vendable, si je puisse dire, parce que c'est bien élaboré et la suite viendra. Mais on doit avoir des projets prêts à être financés. Au lieu d'attendre l'argent, on élabore des projets, on les valide et on mobilise les financements après.
Ce journal continue sur la RTI. Certaines femmes leaders au sein du Forum national des femmes apprécient positivement le fait de bénéficier d'une formation sur le leadership reçue ce jeudi de la part de l'Association des femmes rapatriées. Selon Marie-Gorette Benimana, élue dans la circonscription de Karoussi, elle rassure que cette formation va les aider à faire le plaidoyer et à promouvoir la femme rurale. C'est un reportage signé Lydie Gahimbari. Lors des exposés, les formateurs ont beaucoup insisté sur les caractéristiques de la bonne gouvernance, le leadership, la coordination et le plaidoyer. Les femmes leaders ont alors l'obligation de suivre toutes ces caractéristiques. Les participantes à cet atelier de formation apprécient cette formation car c'est elle qui vient au moment opportun. Il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Cet renforcement de capacité vient à point nommé. Pourquoi? Parce que nous avons été élus comme des femmes leaders, ce qui signifie que ces enseignements ou cette formation vont nous aider à aller former nos femmes de la colline, des communes qui nous ont élus. Et on nous a enseigné également que nous devrons faire un plaidoyer. Nous sommes appelés en tant que femmes leaders d'avancer les doléances et les questions des femmes respectives qui nous ont élus. Cet atelier vient de nous aider comment nous allons organiser les activités prévues pour promouvoir la situation économique des femmes. Selon Boutchoum Emérance, présidente du Forum national des femmes, cette formation va les aider à travailler dans la transparence et à faire une bonne organisation avec efficacité. Nous avons été enseignés sur la bonne gouvernance, le leadership. Nous avons appris ce que c'est une bonne organisation, une bonne planification, une bonne coordination. Nous avons reçu d'autres informations à l'endroit des femmes leaders comme nous, de travailler ensemble, de travailler en synergie. L'Association des femmes rapatriées Afrabon en sigle, qui est parmi les organisateurs de cette formation, indique qu'elles ont organisé cet atelier de formation à l'endroit des femmes nouvellement élues sur le leadership, l'organisation et la bonne gouvernance, parce qu'un leader doit avoir des informations si ces notions avant d'entamer ses engagements. Merci Lydie Gahimbari pour ce reportage et plutôt bouclons ce journal par cette page culturelle. Utiliser le slam comme moyen de sensibilisation sur certains objectifs du développement durable, c'est ce que compte faire l'association des jeunes Jewe Slam. Ça sera à partir du 18 juin dans les trois communes de la mairie de Bujumbura. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Paulin Boulakali, un des responsables de cette association, explique qu'à travers les spectacles, qu'ils veulent provoquer un changement positif. Suivez-le. L'objectif est donc de favoriser cette mixité culturelle en créant trois spectacles qui aborde quatre ODD, quatre objectifs de développement durable, afin de sensibiliser, un, les jeunes de ces quartiers, mais aussi les artistes qui, eux aussi, avant de produire leur création, ont pris le temps de s'approprier ces ODD, les comprendre, afin de bien organiser leur message. Alors, ce que les jeunes des quartiers de Bujumbura vont gagner par rapport à ce projet, c'est d'abord, un, la connaissance de ces ODD. Nous en avons ciblé quatre. Mais après, ils vont se retrouver à travers les paroles, les messages, les artistes, parce que nous parlons de leur quartier. Et les messages que nous leur proposons sont des messages qui leur permettent non seulement de comprendre les ODD, mais aussi de savoir qu'eux aussi peuvent être des porteurs de messages et aussi des porteurs de changement dans leur société. Parce que quand on est sensibilisé sur les ODD, on sait d'abord qu'on a droit à telle ou telle autre chose. Et quand ces jeunes qui seront des futurs décideurs dans l'avenir sont sensibilisés sur ces messages-là, quand ils vont décider, ça sera facile pour eux qu'ils permettent des cohésions sociales facilement, mais aussi qu'ils permettent de mieux développer le pays.
Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.